Bonjour, Jérémy Donzel. Donc, je suis en charge du marketing pour le compte de la société Visiative. Donc, Visiative, en quelques mots, on est concepteur de solutions logicielles métiers dédiées à la transformation numérique des entreprises. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On accompagne nos 9000 clients dans leur transformation numérique, notamment avec la mise en place d'une plateforme collaborative et sociale qui leur permet de répondre à trois enjeux principaux. Premier enjeu qui est de leur permettre d'inventer une nouvelle proximité avec leur écosystème, clients, partenaires, fournisseurs, sous-traitants. Deuxièmement, de dynamiser l'innovation avec la mise en place d'une plateforme d'innovation produit. Donc, ça s'appuie notamment sur la partie d'Assosystème pour ces sujets-là. Troisième axe, l'idée étant de développer la productivité individuelle et de mobiliser les collaborateurs dans une dynamique d'intelligence collective. Ces trois leviers qui sont aujourd'hui indispensables pour réussir la transformation numérique des entreprises. Qu'est-ce qui nous passionne dans notre métier? On vit aujourd'hui dans un univers qui est en pleine mutation, en pleine transformation. On parle de transformation numérique dans tous les secteurs d'activité. On entend parler régulièrement d'objets connectés, que ce soit des voitures connectées, des maisons connectées, des smart cities ou plutôt des villes intelligentes. Donc on se rend bien compte qu'il y a un phénomène qui est en train de se produire, qui n'épargne qu'un secteur d'activité, c'est le fait que le numérique s'installe de partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et ce qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on est du coup, nous, acteurs de cette transformation. On est en capacité d'accompagner nos clients et nos futurs clients dans cette transformation, en les accompagnant dans la transformation de leur modèle économique, en alignant la stratégie de l'entreprise avec la stratégie numérique et en accompagnant la direction générale dans cette démarche, dans cette transformation. Donc c'est passionnant dans le sens où ça concerne la vie de tous les jours, ça concerne tous les secteurs d'activité. On n'est plus simplement limité à le secteur du logiciel ou le secteur de l'industrie. On touche aujourd'hui absolument à tous les secteurs, le numérique est de partout. On a utilisé Tilki au départ pour. On était séduit par la promesse que faisait la plateforme, à savoir améliorer la transformation des propositions commerciales. En tout cas, c'est la promesse qu'on a entre guillemets qu'on a achetée. Il faut savoir que chez Visiative, on produit un certain nombre d'opportunités commerciales, puisqu'on a une grosse équipe commerciale, on produit plusieurs milliers d'opportunités par an. Et donc il faut imaginer que d'améliorer de 1% le taux de transformation de ces opportunités, ça a un impact qui est plutôt significatif sur le chiffre d'affaires de la société. Donc au départ, c'est ce qui nous a séduit dans la plateforme. Assez rapidement, pour démarrer le projet, on était convaincu d'une chose, c'est que les affaires qui sont chez nous dites stratégiques, on devait absolument toutes les traiter avec cette plateforme pour deux raisons. La première, c'est que ça nous permettait de renvoyer une image du groupe qui soit, on va dire, plus innovante, plus professionnelle, plus en ligne avec les valeurs du groupe. Et deuxièmement, c'était aussi d'être capable de mieux comprendre, de mieux appréhender, pardon, les comportements de nos acheteurs qui sont des acheteurs, entre guillemets, stratégiques chez nous, puisqu'on est sur des deals qui commencent à être de taille relativement conséquente. Oui. Donc ça a été les deux premiers intérêts qu'on a imaginés à travers cette solution. En termes de retour statistique, c'est compliqué de tirer un bilan chiffré très précis. On est utilisateur depuis seulement quelques mois maintenant. Par contre, une chose est sûre, et là ce n'est pas forcément mesurable, mais on s'en rend bien compte quand même, la productivité individuelle, pardon, s'en ressent, et tous les commerciaux ou marketeurs utilisateurs de la plateforme voient un intérêt direct à utiliser la plateforme, ne serait-ce que pour avoir accès à des standards en termes de présentation de la société, avoir des propositions qui soient formatées de manière convenable. Donc le gain de temps est assez évident quand une personne souhaite envoyer un document à l'extérieur. Alors, c'est un exemple qui n'est pas directement lié à l'activité commerciale, mais qui est plutôt lié à une activité récente du groupe, puisqu'on a réalisé notre introduction en bourse en mai dernier. À cette occasion, on a fait un roadshow pour rencontrer un certain nombre d'investisseurs. Et l'idée était d'être en capacité de mesurer l'intérêt de ces investisseurs après les rendez-vous. C'est des rendez-vous qui durent entre une demi-heure et trois quarts d'heure, au cours desquels il y a assez peu d'échanges. C'est plutôt unidirectionnel comme présentation. Et à la fin, on ne sait pas bien quel est le ressenti de la personne qu'on a en face. Donc l'idée, c'était plutôt de dire, sorti de ces rendez-vous, envoyons une plaquette à la personne qu'on a rencontrée. Et ça nous permettra d'avoir un retour ou un ressenti de l'intérêt qu'il a pour le projet. Et on a eu des surprises parce que certains investisseurs qui peuvent se montrer plutôt réfractaires sur le projet, finalement, montrent un vrai intérêt quand on leur envoie des informations via Tilki. Et on peut trouver le cas exactement opposé, où un contact va être capable de nous dire, votre projet est super intéressant, ça m'intéresse.
Et à la fin, ça ira pas plus loin, il y aura, enfin, ça se ressentira dans les connexions et dans les statistiques sur Tilkey. Donc c'est une utilisation qui n'est pas vraiment commerciale, mais qu'on a, on va dire qu'on a détournée pour des besoins qui étaient assez particuliers.